Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve en vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP pour aller jouer la team Univers Evil avec la nouvelle carte de Caulifla en duo avec Kayle, une carte que j'ai jouée hier lors de mon live. Eh bien, j'ai été agréablement surpris. Alors, j'ai pas été agréablement surpris par l'artwork, hein, comme je vous l'ai dit, l'artwork je le trouve pas ouf, alors que normalement c'est la force du jeu de Dragon Ball Legends. En revanche, la mécanique de gameplay de cette carte est vraiment très intéressante. On a une vraie carte duo déjà. Premièrement, au niveau des strikes, quand tu appuies la strike, tu as également Kayle qui vient taper. Ça, c'est plutôt cool. Et ça nous laisse présager ou imaginer des choses futures pour le jeu avec des nouvelles cartes duo qui pourraient arriver encore beaucoup plus évoluées. Ça, c'est très intéressant. En revanche, c'est une carte vraiment très très forte, je le dis, c'est vraiment très fort au niveau du main. Déjà tu vas récupérer des points de vie, tu vas récupérer également du ki, tu vas avoir une vitesse de récupération de ki qui va s'augmenter de 60% une fois que tu auras activé ton main, mais également une carte verte très intéressante qui va te permettre de récupérer 60% de ta jauge de téléportation. Alors par exemple, si jamais tu as esquive et que derrière tu arrives à combo ou quoi, et que tu arrives également à faire une carte verte, eh bien du coup, limite, tu vas récupérer ta jauge de téléportation assez rapidement. Et ça, c'est vraiment très fort. Et la toute première fois que tu fais la carte verte, tu vas avoir une spé qui va venir pop dans ta main. Très, très fort. Bref, on va y aller avec cette team. Bien évidemment, j'ai mis Vados parce que pour moi, Vados, elle est indispensable en team Univers Evil. Ça, c'est indiscutable. En tout cas, c'est mon avis. Hit, ça frappe très fort. Topo survie au chaos, il a un main très intéressant avec son attaque ultime qui lock l'adversaire comme ça, si jamais il veut s'échapper, tu lui dis non, non, viens par là, on va te goumer, ça c'est très fort. Bergamo, pareil, très très fort, en plus j'ai 14 étoiles, et puis bah, Topo Akaishi, une nouvelle unité, très forte également. Let's go, on part en PVP les amis, max de pouces bleus sur cette vidéo. Yeah! Ok, première game, ça va être intéressant, un team SCJ en face de nous. Donc voilà, j'ai pris Vados avec Caulifla, Kayle et Topo, hein, voilà, comme vous pouvez le voir sur mon téléphone, je suis debout. Voilà, on fait des vidéos de plus en plus debout. D'ailleurs, je vous réserve une vidéo sur ce fameux bureau pour vous le présenter sans doute demain. Voilà, demain à 13h pendant le triple duel invocation Dragon Ball Legends, une toute première avec Fekkei et Ludivine, comme j'ai pu vous le dire hier en live. Et bien du coup, je vous ferai une petite intro de 1 minute pour vous présenter mon setup, mais également le bureau électrique, voilà, qui me permet de faire des vidéos debout, ça c'est cool. Voilà, allez, let's go, on va se concentrer, il a quand même une team assez intéressante, avec du Gogeta, le Broly Free to Play qui est également assez fort. Allez, on se concentre, c'est parti. Ah, ok, il a tempo, il a bien joué, oh les dégâts, bah allez, forcément à contre-type, let's go. Donc là, ça va être intéressant, du coup, de tanker un minimum avec Caulifla et Kayle. Voilà, ça tank. Ok. Ok, on est tombé sur un campeur. Ok, première game. Déjà, tu sais que là, ça va être long. Tu sais que cette game, elle va être longue. En plus, il y a un peu de lag. Donc ça, c'est... Voilà. Voilà, tu vois, un peu des lags. Ok. Ah mais ça lag, franchement ça lag. Ça lag, il campe. Ouais bah il attend de voir tout ce qui se passe avec les lags. Ok, on va mettre Vados. J'ai ramasse là. Hop, voilà, comme ça, à pouvoir revenir un peu plus rapidement. Caulifla et Kayle. Non, ça lag. Franchement, ils ont rien réglé. Mais bon, c'est pas une raison, on va quand même y arriver. On va quand même y arriver. Allez. Let's go, voilà, ça campe en plus, donc lag plus camping, on est pas mal là, hein. Première game, hein. Première game de la vidéo, hein. Super, ok, ok, donc voilà, je suis obligé de faire des, j'ai pas pu esquive, putain, oh non, 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 ok, ça va tanker là avec Topo, il va rising rush, je suis sûr, bah tiens, bon, ça, il rasine rush à contre-type. En vrai, c'est même pas sûr qu'il m'enlève la première barre de vie. Hein. Bon, je le contre pas. En vrai, c'est même pas sûr qu'il m'enlève la première barre de vie. Alors, le problème, c'est que le mec, il campe en face. Donc, je lui envoie un petit peu de tapotir, tu vois, pour le déstabiliser, mais bon. Allez, let's go. C'est bon, là, je le tiens. Voilà. Ça lag. Vous le voyez, hein, je pense, à l'écran. C'est compliqué, hein. Très, très compliqué.
Ok. J'ai pas pu esquiver. Franchement, j'ai pas pu esquiver. J'ai vu le point d'exclamation, mais je n'ai pas pu esquiver. Alors, on va tanker là avec Topo. Ok, ouais, franchement. Oh, oh là 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 là. Ok. Colliflaque là-dessus. Oh, c'est. C'est très compliqué là. Voilà, ça joue camping encore. Voilà, là c'est bon. Allez, ça t'apprendra. La petite strike cancel qui fait plaise. Voilà, il me remet encore sa cover. Très compliqué. Hein. Faut rester solide, les gars. Faut pas s'énerver. C'est beau. C'est très bien. Voilà, allez. Voilà. Vas-y, hop. Bon, il tank un peu, donc vas-y, je préfère Rising Rush. Allez, me contre pas, ça sera déjà bien. Franchement, les gars, faut... Le mental, zen. Faut pas crier, faut pas insulter. C'est bon, déjà, il m'a pas contré, c'est déjà une bonne chose. Franchement, c'est chaud. Hein. C'est très, très chaud de rester solide sur ce genre de partie. Tu vois, je suis debout, je suis... Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Les lags, le camping, tout va bien se passer. Après, voilà, c'est une manière de jouer. Hein. Là, ça va piquer un peu. Oh non, ça va. Et elle tanque bien. Elle tanque bien quand même. Ich. Ok, ça tanque. Là, par contre, là, ça va moins bien tanker, là. Aïe, aïe. Ok, Vado, squeezing. Ok. Allez, allez, allez. La verte sur Topo. Non, mais regardez le time-out. Hein. Enfin, le timer. C'est ouf. On va aller au time-out ou quoi, là? Alors, ça, par contre, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ich. Là, je le bloque. Là, il est loqué. Il pourra pas mettre le Broly. Là, il est loqué. Et on peut peut-être prendre le kill là-dessus. Hein. Normalement, on prend le kill. Normalement, on doit prendre le kill. Et on prend le kill, monsieur. On prend le kill. Allez, vas-y. Voilà, comme ça, il a esquive. Comme ça, c'est good. Vas-y, tu peux taper. Voilà. Bon, voilà, il a déjà perdu l'esquive. Donc, on est tranquille. Oh là là, cette chance. Allez, let's go. Voilà. Hop. Tac. Pour finir en beauté, Colifla et Kale. Wouh. Eh ben, les gars, j'ai envie de vous dire... C'était pas vraiment de la tarte, là. Hein. Entre les lags... ah, en plus, tiens, une petite erreur. Franchement, hey, entre les lags, le mec qui était en train de camper et tout en fond de map, je peux vous dire qu'il faut rester vraiment très, très solide. Hein. Mais bon, ça l'a fait. Première game, première win. Let's go. Team Saga des films pour cette deuxième game. Alors, cette fois-ci, je pense que je vais prendre Bergamo. Hein. Voilà, je vais prendre Bergamo à la place de Topo, parce qu'il y a quand même deux verts dans sa team. Voilà, on va prendre Vados pour le Goku. De toute façon, comme d'hab, de toute façon, Vado ça bouge pas. Mais le Goku, attention, je pense qu'il va le prendre. Hein. Ouais, ouais, voilà. Ouais, tout le monde le prend, le Goku. Et même à 2 étoiles, les gars, il est incroyable. L'un des meilleurs EX sur le jeu. Avec également le nouveau Jiren EX aussi qui est arrivé. Ces deux unités EX sont vraiment très, très fortes. En tout cas, le Bergamo pour le Gogeta Blue LF, ça va être intéressant parce que l'autre il sera à contre-type. Allez, let's go. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Ok, ça passe. Allez, Bergamo, l'aspect, ok, Megokua, ok, tu campes ou pas? Ah non, ah non, il a pas campé là, là il m'a envoyé la blast, ah là il m'a envoyé la blast, il a pas campé, bon c'est pas grave, allez, allez, let's go, ok, il joue très bien, il a eu une très belle tempo, il joue très bien. Donc là, c'est bon, là, il est à contre-type. Donc, il se transfo. Et bon, là, il va taper à contre-type, de toute façon, pour l'instant, sur Vados. Donc ça, c'est intéressant. Ok. 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 Ich. Allez, let's go. Ok. Ok, ok. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Très bien. Très bien.
Je m'attendais pas du tout au Rising Rush tout de suite. D'accord. En plus, je contre pas. On est en 2v3, là. On a perdu Vados. On est en 2v3, les gars. Eh ben, on va la gagner, cette game. Ou pas. Allez, let's go. Allez. Allez, allez. C'est pas fini. Let's go. Voilà. Bergamo, le chien de la casse. Le chien de la casse. Le chien de la casse. Mais c'est fort quand même, Bergamo, là. Franchement, ce qu'il est en train de mettre, c'est pas mal, hein. Allez. Ok, l'ami Goku. Eh, franchement, alors, pareil. L'ultime de Bergamo, incroyable. Les trois Klebs qui arrivent comme ça, les trois caniches, là, incroyable. Voilà. Bien sûr. Comme de... Alors ça, ça va pas passer, par contre. Yes. Ok. Ok. Ouais, ok. Ish. Il a mis le Broly. Tout ce que je te demande, frère, c'est de pas me contrer. Je suis déjà en 2v3, me contre pas. C'est tout ce que je te demande. C'est bon, ça passe. Ok, les gars. On revient. On revient dans la game. Encore une fois, c'est Colliflaqué, il a... qui fait quand même du bien. Elle a fait un petit peu de bien, là, en arrivant. Ok. À la ramasse, là. Ouf. Mais elle est pas morte. Le fait qu'elle soit pas morte, c'est bon. Parce que du coup, voilà, je récupère des PV. Il a déjà esquive. Hop, voilà. Tac, ça c'est parfait. On termine tranquille. Colliflaqué, ça a fait le café, là. Là, ça a fait le café. Donc c'est pas grave, il peut esquive. Maintenant, après, il est mort. Voilà, clairement. En plus, j'ai Bergamo. Donc là, il est fini, là. Il a déjà esquive, il est fini. Il peut faire ce qu'il veut, il est fini. Oh là là, les dégâts, bah oui, bah là... Voilà. 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 Hop. Bon, ça, c'est one combo. One combo de Bergamo le caniche. Bergamo le caniche. Victoire du chien de la casse. Non, ça fait plaisir. Franchement, Bergamo, très, très intéressant. Et également, Colifla et Kale. Est-ce que vous avez vu ce que ça a donné? J'étais mal parti dans la game. Et du coup, j'ai réussi à faire un 2v3. On est bien revenu. Et ça, ça fait plaisir. Troisième game, Team Saga des films. Alors là, par contre, là, attention, il y a le Gohan LF Revive. Bon. On va prendre Topo, on va pas prendre Bergamo cette fois-ci. On va prendre Topo, alors va falloir faire attention. Moi c'est le Gohan LF Revive qui fait peur. En plus il est sous Cap Zenkai, enfin Cap Zenkai du Goten LF. Donc attention. Après peut-être qu'il va prendre le Broly, je sais pas. Ok, il a pris le Freezer, il a pris le Gogeta Blue LF. Ok. Alors là par contre attention, parce qu'avec le Gogeta Blue LF, là j'ai pas Bergamo comme la game d'avant. Ça va pas être facile cette game, hein, parce que le Gohan LF Revive, les gars, c'est loin d'être de la tarte. On le rappelle, hein, que franchement, excellente unité. Il est vraiment très très fort, le personnage. Allez, let's go. Voilà, il a direct commencé comme ça. Ish, c'est bon, ça passe. Pum. Allez. Ok, il a mis la cover de Gogeta Blue. Logique. Logique que j'ai envie de te dire. La verte là-dessus. Ah, il renchaîne tout de suite. Donc là, la verte, bon, bah, du coup, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ça m'a quand même ramené une spé en plus dans la main. Ok. Parfait. Perfect dodge. Allez. C'est maintenant qu'on va falloir donner. Ok. Donc là, je vais ramener Topo. Mais il y a un petit peu de lag. Alors, c'est léger, mais il y a un petit peu de lag. Je sens qu'il y a une petite latence. C'est pas ouf, mais il y a une petite latence du coup, mais bon. Ok, lui il renchaîne direct. Oh les dégâts. Ouh. Gohan LF Revive, hein, comme je vous l'ai dit. Incroyable les dégâts. Oh, oh les dégâts qu'il me met. Oh les dégâts qu'il met sur Colliflaqué. Vados. Vados. Mais j'ai pas pu prendre Vados. Je vous l'ai dit, il y a une petite latence. J'ai voulu prendre Vados, j'ai voulu cliquer, ça n'a rien fait. Ça n'a strictement rien fait. Je voulais pas que Colliflaqué meure, parce que là, c'est... Voilà, le but, c'est de jouer avec Colliflaqué. Bon, c'est pas grave. On est encore en 2v3. Allez.
Voilà, vous voyez ou pas? Regarde, ah bah là. Voilà, quand je vous dis qu'il y a une latence. On aime ce jeu. Purée, mais non, mais c'est... Franchement. Franchement, c'est... Abusé. Ça esquive pas, c'est franchement... Allez, cuisine. Oh, franchement, c'est horrible, les lags. Donc là, attention. Ich. Parfait. Voilà. Allez. Normalement, ça tue. Voilà. Allez. Ça lock et ça tue. On est en train de faire une remontada. Avec les lags. Avec la latence. On fait de la remontada. Let's go. Ok. Ça se passe bien. Donc là, Vados, normalement, ça devrait bien se passer là. Voilà. 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 Vados. Très, très forte. Très, très forte, Vados. Incroyable. Très, très forte, Vados, là-dessus. La team Univers Evolve, franchement, c'est très fort. Hein. Ok. Parfait. Bon, bah, il n'y aura même pas besoin de Rising Rush. Allez. Allez, dégage. Eh ben, les gars, franchement... Ça s'est plutôt bien passé à la fin parce qu'on était mal barré encore dans cette game avec les lags, etc. Franchement, c'était pas évident du tout. Mais bon, on s'en est bien tiré. Ça fait quand même 3 games où, du coup, bah, ça se passe plutôt pas mal. Et ça, c'est très intéressant. Let's go pour la prochaine game. Team Univers Evolve, justement, en face de nous. Il y a un Jiren EX 3 étoiles, ça fait très très mal. Alors cette fois-ci, vu qu'il y a une Kefla 14 étoiles, je pense que je vais prendre Hit. Je pense que je vais prendre Hit et puis ça va permettre en même temps de le jouer dans cette vidéo. Parce que Hit, franchement, on le prend pas assez souvent. Mais c'est un gros, gros cogneur. Vraiment, il fait vraiment très mal. Et du coup, il a pas pris Kefla. Ok, il a pris Dispo. Alors, j'aurais pas cru. Mais c'est pas grave. Ça va quand même le faire. Hit, c'est un gros cogneur. Franchement, il fait extrêmement mal. Et je trouve ça dommage qu'il n'y a pas plus de gens qui le jouent. Bon, bah lui, là, il l'a pris justement dans sa team Univers Evolve. Mais c'est vrai que Hit, on le sous-estime un peu trop alors qu'il fait vraiment très mal. Ok, Dispo direct. La cover de Hit. Et là, je vais pouvoir mettre une spé. Et là, ça devrait faire très mal. POMP! Allez, voilà, déjà, moins un. Hit! Par contre, elle n'a pas voulu esquive, dommage. Non mais, je vous l'ai dit, Hit très très fort. Alors par contre, là, je suis à contre-type, je suis un peu dans la sauce, là. Ok, c'est bon. On en parle, là, du Hit, là, c'est quand même ce qu'il vient de faire, là, je suis quand même choqué. Je suis choqué, vraiment. Je vous disais que Hit, c'était fort. Bah, du coup, c'est le cas. C'est le cas, les amis. Voilà, le main de Vados pour soigner un petit peu également Caulifly Kale. Petite verte, tranquille sur Hit. Ich. Mais franchement, c'est ouf quand même. Ah bah là. Eh, regarde, il met ma contre-type, hein, ça a fait mal. Hein. Bon, là, on va le finir quand même. Avec Caulifly Kale. Mais eh, incroyable là. C'est impressionnant ce qu'on est en train de voir là. C'est impressionnant ce qu'on est en train de voir. C'est impressionnant. Les dégâts. Là, ça cogne. Hein. Là, ça cogne, les frères. Pouam. Ah bah voilà. Non, bah voilà. Bah, non, mais je le comprends. Non, mais là, en vérité, je le comprends. Là, je le comprends. C'était... Laisse tomber, là, ce qu'on vient de voir. C'est un train qui lui est passé sur la tête, là, frère. Il est parti à la cuisine faire le tagine. Tiens, on passe au rang 47. Non, mais là, c'était... Incroyable, dites-le-moi dans les commentaires également. Là, franchement, la game, elle était vraiment incroyable. Ok, team divin, là, en face de nous. Une belle team divin. Alors là, par contre, je vais pas prendre Hit. Hein. Là, ouais, Caulifly est topo. Je vais pas prendre Hit. Il y a quand même le Gogeta Blue LF de type jaune, 6 étoiles en face, plus le Vegeta Blue Evolution également. Ça fait quand même 2 gros jaunes. On va pas jouer avec le feu non plus, tu vois. Surtout que le Gogeta Blue LF, à partir de 6 étoiles, ça commence à bien cogner. Le Hit, il partirait vite aux fraises. Alors, ok, bah du coup, il l'a pris, ouais, avec Vados, voilà. Alors, il a pris le Migaté. Alors, attention, à mon avis, avec le Migaté, il va vouloir jouer avec la double jauge d'esquive. Il va falloir faire attention. Let's go, on n'a pas encore perdu
une seule game. J'aimerais bien ne pas perdre celle-là aussi. Par contre, ça lag. Ça lag. Là, ça lag. Putain. Oh là 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 là. C'est insupportable. Les lags, c'est insupportable. En PVP, c'est horrible. Bah ouais, bah... Ok. Regardez la latence. Oh. Ok, il a mis le Gogeta. Ah. Alors lui, par contre, il arrive à mettre un timing sur des lags comme ça. Putain, mais incroyable. Moi, j'arrive pas à jouer comme ça. Je sais pas comment ils font, les mecs. Ils sont habitués. Oh là là, mais non, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Oh là 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 là. Allez, comme ça, voilà. Je peux rien faire là-dessus avec sa verte. Putain. Ok. Cauliflower Kale. Là, on va mettre Vados. Voilà, c'est préférable. On va réduire le temps d'attente avec la verte. Et du coup, on soigne avec le main. Très forte Vados, hein, pour ça. Très, très forte. Par contre, là, les lags, c'est horrible. Les lags, c'est horrible. En plus, il attend fond de map. Oh là là, non, mais franchement, c'est un truc de fou. Lag et fond de map, c'est le combo ultime. Hein. La vérité, c'est le combo ultime. Oh là là, non, ça va pas, là. Franchement, ça va pas, là. J'arrive pas à jouer comme ça. Là, c'est... Oh là 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 là. On va mettre que Cauliflower Kale. Voilà. Comme ça, au moins, on perd pas le topo. On met Cauliflower Kale. Elle devrait pas mourir. Mais franchement, c'est dur. La vérité, c'est dur. J'ai l'impression que je vais tomber. Je suis debout, j'ai l'impression que je vais tomber. Il attend fond de map, en plus. Ich, voilà. Parfait, ça. Je rising rush direct. Voilà. Ne me contre pas, ça sera déjà bien. Allez, on n'a pas perdu une game de la vidéo. J'aimerais qu'on perde pas celle-là également pour cette fin de vidéo. Je pense que ce sera la dernière. Parce que là, vu les lags, les gars, je pense que vous me comprendrez. Là, c'est bon, ce sera la dernière. Et en tout cas, Cauliflower Kale qui ont bien tanké sur le Gogeta Blue. Hein, sur l'ultime de Gogeta Blue. Là, par contre, là, je suis mal. Ouais, là, il me voit arriver. Bah, ouais, forcément. Oh là 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 là. Tape encore. Tape encore. Ok, tape encore. Tape, 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 tape. Cauliflower Kale, Cauliflower Kale, Cauliflower Kale. Yes. Ça devrait tanker. Cauliflower Kale encore dans cette game. Cauliflower Kale, les amis, ça a tanké l'ultime de Gogeta Blue LF. Et ça tanque l'ultime de Migaté LF également. Ça a tanké quand même deux ultimes. Ish, la petite strike cancel. Parfait ça. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Fais voir les dégâts sur Vados. C'est cuisine ça. Ah mince. Je pensais qu'il allait faire une blast. Non non, là il craque, là il a craqué. Là il craque le joueur. Cette remontada du futur, il a craqué. Il a craqué le monsieur. Il a craqué de ouf là. Les gars, là c'était incroyable ce qu'on vient de voir. Exceptionnel. Exceptionnel. Là, on a vu Cauliflower et Kale en action. Là, on les a vus vraiment en action. Elles ont tanké à la fois l'ultime de Gogeta Blue LF, mais également, du coup, l'ultime de Migaté LF. Et en plus de ça, voilà, elles ont récupéré voilà, du Ki, des PV avec le main et tout ça. Ouh! Malgré qu'il y avait des lags. Eh ben écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci à vous tous. Demain, gros triple duel invocation Dragon Ball Legends. Une toute première sur le jeu Dragon Ball Legends entre moi, Yekase et Ludivine. Peut-être qu'en fin de journée, si j'ai le temps, on sera en live Dokkan Battle sur la chaîne YouTube. Donc activez la cloche, abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Max de pouces bleus, les amis, sur cette vidéo. N'hésitez pas également à la partager et à commenter. J'essaierai de répondre à un maximum de personnes. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super!